Au bout de quelques jours, non, quelques semaines de voyage, après être passé par la vieille tour, vous avez eu l'occasion non seulement de récupérer toute votre psy, mais aussi vos points de vie. Donc, ils sont à full. En plus de ça, vous avez... Bon, allez. Tous un avantage, parce que vous êtes au meilleur de votre forme. C'est bien. Donc, vous allez vers Mirage. Vous êtes pas loin de Mirage et vous avez été contacté par des messagers vous indiquant que les églises étaient réunies suite à un conclave exceptionnel proche de Mirage. Donc c'est ce campement-là que vous allez traverser avant de vous retrouver à l'entrée aux abords de Mirage. Et avec de la chance, ils nous considéreront comme des alliés grâce au message qu'on m'a demandé que Victor porte, s'il l'a pas oublié. Alors, on va faire l'état des lieux. Oui, parce que... L'état des lieux est le suivant. Non seulement vous avez tous un avantage parce que vous êtes presque drogués, j'ai envie de dire, comme le soulignerait Théo. Notamment, vous êtes boostés, quoi. Et en plus de ça, vous avez pu obtenir des éléments supplémentaires. Donc, du stuff là-dessus. Dites-moi précisément de quoi vous êtes armé ou préparé, si vous avez eu une armure supplémentaire, le temps. Alors, que vous avez super passé. Bolter lourd. Ça vient. Ça se des grenades bien. Thermiques. Un RPG. Un mortier. Une monture dragon. Parce qu'une monture dragon, c'est jouable. Ça reste mais non, médiéval mais fantastique. Une selle. Je te dis ça à l'épisode 25. Une selle pour Eden, ça pourrait être probable, hein, parce que Eden a prouvé. On a dit que son dos, elle y arrive. Ça serait tellement drôle. Attends, Eden de voir balloter dans tous les sens comme ça. Eden a prouvé qu'elle faisait la taille d'un petit poney. Hein, faut quand même pas déconner. Hein. C'est pas un loup, genre un loup qui fait la taille d'un gros chien. Non, c'est du bestiau quand même. Hein, faut pas. On va dire que moi j'ai repris ma lance parce que je suis censé avoir une lance. Ah oui, c'est vrai, t'es censé avoir une lance. Donc toi tu as une lance et il me semble qu'à un moment Shin tu voulais. Moi je voudrais une nouvelle pièce d'armure en fait, une épaulette qui partirait un peu sur le plastron, enfin avoir un truc à la. Et je voudrais une cape aussi parce que j'avais pas de cape. Et il me semble en plus que tu as fait réparer ton armure parce qu'elle était sous la pression de la mâchoire des buveurs de chair, Théo, et donc tu as pu la faire réparer ton armure. Ouais, elle serait pas toute seule après. Bien sûr. Elle fait du fromage, elle t'apporte le café. Oui, bien sûr, faire glace répare, faire glace en place. C'est une armure de chevalier. Une pièce de 2 sesterces. Tu as en effet une armure qui te couvre tout le bras gauche. Et tu tiens ton arc d'ailleurs du bras gauche ou du bras droit. Du bras gauche, il me semble. Du bras gauche, oui. Donc du coup, il fait tout le prolongement. Dis-moi, Grandlake, tu aurais des éléments supplémentaires? Alors, à un moment, on avait discuté que pour le moment, j'avais un pourpoint de cuir, mais qu'un jour, si je trouvais une maille, je pourrais porter une maille. Est-ce que, juste le pourpoint de maille, est-ce que j'en ai trouvé une ou pas? Oui, tu as pu avoir un pourpoint de maille. De la avec maille à sa taille tout ça. Excusez-moi, je suis on désolé. On amasse une, hein. On amasse la générosité des gens de la vieille tour. Bah, on amasse avec une. Avec l'argent que vous avez. On a pillé la ville. Oui. Au même moment, tu vois la ville en feu. Et tu vois le petit plus. Tu vois le moins, ça paraît comme ça. Voilà, c'est ça, exactement. Ouais. Exactement. Non, l'intendant Eliren était très honoré de vous faire de la ristourne. Et il était surtout très pressé de nous donner ce qu'on veut et de nous voir partir en fait. C'est pour ça qu'on a eu absolument aucun problème à se fournir, j'imagine. Quand vous étiez à la vieille tour, gogo, la demeure de Bragg, vous êtes allé donc dans les souterrains. Vous avez pu, en cherchant bien, dénicher une gemme de pouvoir. Une petite pépite, une améthyste. Qui d'entre vous l'a, sachant que de son côté, Grunlake la consomme, et de l'autre, on en a Bob l'étudie. Oui. Je voulais en faire une flèche, moi, à la Rambo. Je voulais la tirer un moment, ça serait tellement classe. Ben, c'est pas une mauvaise idée. C'est pas du tout une idée dégueulasse, déjà. Oui, mais si je vous vise l'un de vous... Non, mais s'il te plaît, vise un mur. Dommage collatéraux. Vise un mur. Voilà, c'est une arme de siège. Et c'est très puissant. Pour essayer de canaliser la puissance, ça me paraît quand même... Non. C'est deux choses. Moi-même et le nain, c'est trop risqué qu'on l'ait, parce que le nain pourrait s'en servir pour son bras, et moi-même, je pourrais m'en servir pour ma tronche. Donc, honnêtement, son bras est complètement incontrôlable. Que Shin dise que c'est lui qui la garde, moi honnêtement je trouve non seulement c'est très propre. Théo, tu es en tête de file, fais-moi un test de perception s'il te plaît. Ok, alors c'est mental? Alors oui, c'est un test de mental plus concentration, c'est 65. Et
55, ça passe. 55, ça passe tout juste. Tu vois ici, hop, devant, ouais, des personnes qui t'ont repéré. Et plus que ça, tu reconnais donc qu'elles portent des tenues ecclésiastiques. Et en plus de ça, tu remarques une certaine tension palpable sur son visage, comme si elle était déçue, voire embêtée de te remarquer. De votre côté, les autres, vous êtes derrière en train de discuter, de faire le bilan de votre voyage, de votre passage à la vieille tour. Il y a Shin qui est content, en train de voir le cuir de son bras gauche reluire. Il y a Grunley qui se caresse sa maille. Et ça il y a... deux semaines que vous caressez vos armures. On est vraiment très contents. On est vraiment très contents. Et on pose derrière. C'est tellement ça, arrivé pendant 15 épisodes que là, il y a de quoi. Les poses Jojo, quoi. C'est le mec qui... C'est comme dans les films où ils ont des discussions super importantes alors qu'il s'est passé 10 minutes ou une heure entre l'action et tu te dis vous pouvez pas en parler on avant. Pas en parler avant, c'est clair. Vous avez fait 3 heures de route d'abord. Et tu sais. Bob, non, Bob, de ton côté, en cherchant bien, tu as trouvé un bâton assez étrange, un bâton en bois sombre piqué d'une poudre de gemme. Alors, ce n'est pas un bâton magique ou de psyché, mais en la saisissant, tu sens quelque... Exactement. Un bâton conducteur. Ah. Un bâton conducteur de magie. Oui, forcément, puisqu'il est... Ah, putain, c'est génial. Donc, il n'est pas magique par définition. C'est comme dire qu'un film... Il faut que tu l'étudies, il faut que tu vois la manière, il faut que tu expérimentes des choses avec. Bien sûr. C'est une ça bague, peut peut-être se retourner contre toi, mais... C'est comme si j'étais une pile électrique. Attends, c'est comme si j'étais une pile électrique et j'avais trouvé un fil de cuivre. C'est pas mal. C'est con, mais. T'as trouvé un artefact. Ouais, c'est pas mal. Et du coup. Puis on dirait que ça a pris un petit peu aussi de poids. Ah bah, ta tenue, elle est un peu plus épaisse. Je suis ravi que tu l'aies remarqué, je me suis fait couper les cheveux. C'est donc ça. Donc voilà. C'est un rapport avec le poids. J'ai perdu de la masse. Donc très bien, est-ce que tu as quelque chose à ajouter à cela, Bob? Oui, j'aurais voulu trouver, alors c'est un grand mot, trouver une armure de mage de bataille, ce qui n'est pas du tout une armure, une grosse armure quoi que ce soit en fait. Il n'y a pas d'armure de mage de pas bataille du tout. Par contre, il y a une sorte de cape, de tenue, de robe de sur cuir, ma toge, j'aimerais renforcer. Rajouter une épaulette de cuir et un plastron très léger, pas un plastron complet, mais genre un plastron à la seillère comme disait Seb. En fait, bah tiens... Oh, il veut me piquer mon look, c'est pas cool. Je veux pas du tout piquer ton look. Avance Théo. Je viens d'y penser en fait, ouais. Si on avait trouvé une armure de cuir complète mais qu'on l'avait coupée en deux, toi tu prends le bras gauche, je prends le bras droit. Ah. Écoute, ah, bon, cool. pendant que vous êtes en train de faire des selfies, moi j'avance. Du coup voilà, un peu de cuir sur la gueule, parce que un point d'armure ça peut tout changer à nos persos, hein, n'est-ce pas Chine? Je suis absolument d'accord. Et vous avez eu le temps justement d'ajuster tout cela. Donc tu avances, tu vois cette dame qui semble porter en dessous de sa cape et de sa capuche Théo une tenue plutôt riche. Et elle porte des symboles. À quoi elle ressemble? Elle est vieille, elle est jeune? Elle est plutôt vieille, 50, okay. 60 ans. Elle serre un livre contre elle et elle dresse la main vers toi. Ah, c'est vous, l'inquisiteur Théo? Hola, vieille femme. Je suis Théo de Silverberg, inquisiteur de la lumière, avec mes compagnons aventuriers Bob Lennon, Grunlek et Shin. Ah, pour une fois, j'ai pas fait de conneries, vous voyez? C'est Balthazar Octavius Barnabé. Tout était parfait, mais c'était le vieille femme qui m'a. Mais oui, mais sinon. Ah. C'est. Oh là la vieille! elle a un sourire légèrement crispé. Que faites-vous ici? Qu'est-ce qu'on fait ici? Nous allons. Merde, j'ai tout donné! nous allons. Au conclave des... Aidez-moi ! Religieux. Non, on va au campement de Mirage, le campement de Mirage. Oui, on va au campement de Mirage. Nous allons au campement de Mirage. C'est comme il dit lui. Il y a un moins sur la carte. Inquisiteur, je pense que cette affaire vous dépasse. Vous devriez retourner dans l'un de vos temples et méditer, voire vous entraîner. Peut-être que cela manque à votre... votre cursure, vos compétences. Et qui êtes-vous pour m'insulter? Je suis Dame Elisabeth. De quel ordre? De l'ordre de la Terre. Oh! Nous aussi, dans ce compte-là. Ah bien. Eh bien, moi non.
Hein, qu'est-ce que t'as à dire à ça? Non mais quand même, cet homme fait les meilleures conversations du monde. Hein, y a pas... Moi je veux que tu sois là pour écrire la conversation de Fallout 5, quoi. C'est incroyable. Les choix, tu sais, comme ça, oui. C'est ça, non. Le BioWare. Je dois y aller. Je dois y aller. Shepard. Elle tu te mets droit le dos et elle s'en va par là. Tu remarques néanmoins par ici, Théo, qu'il y a d'autres personnes, ouais, apparemment des érudits, des prêtres, qui te regardent un peu hébétés, curieux, méfiants, qui cherchent à savoir ce que vous faites, mais vraiment de manière complètement détachée, comme si vraiment vous n'étiez pas seulement pas attendus, mais pas les bienvenus. Dans ce cas-là, moi, je propose qu'on traverse la rivière mal dessinée. On peut pour aller la rivière de produits à chiottes. C'est ça. Qu'on traverse la rivière extrêmement polluée. Il va voler en éclats. Bah, en même temps, moi, je propose de la baptiser la rivière maternelle. Voilà, parce qu'on a l'air d'être fait par une classe de maternelle, justement. Donc c'est plutôt. c'est pas mal. On peut la traverser du coup. Est-ce qu'elle est traversable? Si tu nous dis non, on est bien baisé du coup. C'est un ruisseau, c'est bon. Mon cheval, il est en jambes. Oui, je pense que si le cheval dépasse de part en part. Non, si vous allez à cheval, il n'y a pas de souci. Par contre, le tant pis, tant en Chine. C'est là que mais on monte derrière nous le temps de traverser. C'est ça, c'est là que Grunley qui y va. Grunley qui est foutu. Grunley qui y va, mais avec la cotte de maille, il coule. Tu sais, il est bloqué au fond. Quand tu passes, je peux marcher sur l'eau. Ici, quand j'ai vu des gens en plate, Seb, il marche sur l'eau, c'est vrai. Il n'y a que Grunley qui est dans la merde. Salut. Au revoir, Grunley. Théo, quand tu arrives ici, tu remarques... Eden fait quoi, du coup? Un camp? Oui. D'accord. On l'a oublié, la vieille tour. Bah... Non, non, elle est là, elle est juste en bas. C'est bien qu'Eden va pas s'approcher des campements, elle va se balader dans la forêt. Ouais, elle va se balader, oui. Elle reste à portée, hein, c'est un loup. Elle va aller chasser dans les parages pour nous faire un Deus Ex Machina. Ça sera cool. Ouais. Elle va chasser de l'ornithorynque. Par contre, par acquis de conscience, je vais descendre de cheval, parce que ça m'a l'air d'être intéressant comme endroit. Qu'est-ce que vous faites? Tu vas me faire un test simple en grand lake pour traverser le cours d'eau. Mais non, j'ai traversé à dos, je suis monté sur un des chevaux pour. Oui, je veux bien lui laisser de la place, je l'ai dit en plus avant. Bon, le pauvre, je suis un test en train de se noyer dans la petite rivière. Non, mais non, vous allez pas me faire totalement trempé alors que je peux traverser. J'hésite, ça serait de l'humour. Ça pourrait être hilarant, ça pourrait être hilarant. C'est du cadavre. Oui, je peux aller de l'autre côté aussi, je peux aller tout seul, hein. Ouais. Donc tu vas faire un test. Tu fais le tour, tu traverses là, ça fait. Ouais, ça fait ouais, franchement c'est louable. Tu es le mec qui se noie dans un ruisseau littéralement. Ou alors je commence à, je sais pas, à couper un arbre pour faire un petit pont. C'est ça. En face de la prêtresse. T'as raison. En face de la prêtresse de la terre. Ouais. T'as raison. Vas-y, coupe des arbres. Alors, qu'est-ce que vous faites tour de table, Grand Lake? Oh bon, rien de spécial. Je suis Théo, qui est notre interface sociale pour le moment. D'accord. Oui, ça fait peur. Il faudrait la mettre à jour, l'interface. Théo. Ben, je vais parler aux trois qui sont là, moi. Et faire « Oh là vous, c'est qui, en fait ?» Tu me fais un test, s'il te plaît, pour reconnaître ça, un test de... Social ? Ouais. D'accord. Oh là, t'es mal barré, non ? 47... je sais pas. Non, c'est pas possible parce que j'ai 30. 35. Ouais, non, 30. Et donc tu arrives et en gros tu fais bonjour. Donc tu te mords la langue. Je le montre. Salut, bande de merde. Ils se retournent, ils font un pas en arrière. Voilà, inquisiteur. Non. Sans raison qui arrive en gueulant. Mec, il t'attaque comme des méchants de Skyrim, quoi. Il lève la main, celui qui est là, il lève la main, fait un signe en dessous des arbres dans cette direction. Et tu entends des bruits de pas, vitesse de course, qui viennent vers vous. Qu'est-ce que vous faites? Tour de table déjà, Théo, tu as agi. Bob. Est-ce que je peux faire un jet de connaissances pour reconnaître ces gugus? Parce que je sais que je suis pas spécialisé dans les églises ou dans les ordres, mais s'il y a de la magie dans l'air ou un utilisateur magique, je devrais au moins pouvoir reconnaître s'il y a une école particulière. Parce qu'ils ont des bâtons, les mecs, en fait, je remarque. Hein, oui, vas-y. Ça, donc, soit c'est des bâtons de prêtre, soit c'est des bâtons... bon, tu me diras ça, je ne peux pas dire. 72. Je crois que j'ai 75. Hein, ah ouais, mais tu connais pas cet ordre-là, ouais. Donc...
Ce sont plutôt des prêtres. Donc, entendu. Ah, des prêtres. Je vais te dire ça. T'as un malus de 20. Non, ben, ça passe pas. Alors, je suis à 90 avec un malus de 20. Et là, je suis t'as à 75. Non, pardon. Je suis pas à 90. Je suis à 75 plus 5 parce que j'ai focus. Mais focus marche pas si, je suis, si c'est de la réflexion ou de la connaissance. Parce que tu peux pas juste te concentrer plus fort. Donc, moins 20. Sans les yeux que tu auras plus de compétences. 55 et j'ai fait 72. Donc, non. Par contre, je peux confirmer que ce ne sont pas des mages, du coup. Oui, exactement. Donc, tu as agi. Shin, qu'est-ce que tu fais? Moi, vu que j'ai pas mal bourlingué en forêt et tout, est-ce que je connaîtrais cette ethnie, justement? Est-ce que je les aurais croisés pendant un voyage précédent? Par rapport à la... Pas du tout. Ou je connais pas du coup cette région. Par rapport à la yourte, par rapport à quoi, en fait? Ouais, voilà, si. Parce que j'imagine que par rapport à leur façon de s'habiller, les armes qu'ils utilisent, ils appartiennent à certains clans... Par contre, il y a quelque chose que tu remarques clairement, c'est que ce ne sont pas des personnes habituées à vivre en nature, vraiment pas. Ce sont des personnes qui sont là de manière exceptionnelle, c'est pour te dire, ils portent des vêtements plutôt richement décorés, alors qu'ils sont en pleine nature. Toi, tu as besoin du strict nécessaire pour être ici. Eux, ils sont un peu... C'est un peu pompeux, quoi. Je vois le Chine qui est là. Ouais, je confirme, c'est des gros parigots. Ça s'appelle un arbre, c'est ça? un soldat qui vient vers vous. Voilà. C'est quoi le problème? On discute, qu'est-ce qu'il y a? Attends. Est-ce que je peux tenter? Non, je peux pas, je suis à l'arrière. Doucement, inquisiteur. C'est quoi votre problème? Il n'y a pas de problème, arrêtez, ne me parlez pas comme ça. Suite, je le vois tout de suite que vous avez un problème. Et on va se calmer, je suis inquisiteur, je suis pas le pion du coin, non mais... On est dans Asterix, là. C'est ça. Énormément. Non, il a l'air sur la défensive, clairement, la main sur la garde. Et... qui est à l'arrière? Grunlake et Bob. Grunlake et Bob. C'est moi qui suis à l'arrière, surtout par rapport à lui. Je regarde. Ouais, c'est d'accord. Tous les deux, Grunlake et Bob, vous faites un test de perception, s'il vous plaît. Bob, t'es à 75, là tu peux tirer ton focus, t'es à 80, plus pas de perception. Ah si, ta perception, t'es à 90. Avec un malus de 10, donc 80, pareil pour toi, Grunlake. Ouais. Tu as 70 en mental, plus 5 en focus, et ça fait 75, moins 10, 65. Donc d'abord, Grunlake, fais-moi ton test avec un malus de 10, 65 ou moins. 28, ça passe. D'accord. Et de ton côté. J'aurais dit un malus de 20, pour moi, plutôt que 10, parce que je suis encore plus en arrière. Ah d'accord, bah, je sais pas. Moi, si c'était par rapport aux gardes, ça aurait été logique. Mais ça sera avec plaisir que je te donne. Mais oui, non, mais faire la prochaine fois. Réussible. Et 21, donc ça passe. Tous les deux, vous remarquez par ici qui se rapproche quelqu'un que vous reconnaissez. Vous, Théo, Shin, vous retirez votre casque, s'il vous plaît. Putain, si c'est l'église des murmures, comme on est baisé, mon frère. Mais alors. Que ce soit Victor. Oh putain. Vous remarquez Victor. Oh, putain, Dieu merci. Qui est en train de discuter avec la prêtresse de l'église des murmures. Ah, il était là. Ça va être bien. Il était là, donc s'il a fait la diplomatie à notre place, pas plus mal. C'est vrai. Parce qu'il est aussi en responsable en partie de la merde qu'on a foutu. Théo n'a rien à y voir, en fait. Le seul qui est peut-être free pour aller discuter avec la Ok, donc j'ai dit cette information. Du coup, les autres, je leur remets les casques. On remet les casques. Ouais, c'est bon. Il y a Théo devant toi. Le garde, il a qu'une envie. C'est que tu le menaces ou que tu fasses plus que lui parler mal. Non mais commence à m'emmerder les gardes là, dis donc, je suis inquisiteur, ils vont me respecter un peu là. Je fais signe à Théo, attends deux secondes, regarde là-bas, il y a Victor. Et je lui montre où j'ai aperçu. Il va nous embarrasser encore. D'accord, il y a Victor. Mon petit Théo, c'est moi. Fais un bisou. C'est tonton Victor. C'est ça. Et à chaque fois qu'il te fait un câlin, fais un bisou, t'as raté ta vie. Inquisiteur. Je viens te sauver. Je suis d'accord, vous êtes inquisiteur. Mais sachez rester à votre place, inquisiteur. Vous êtes un serviteur de l'église de la lumière. Vous n'êtes pas au-dessus des lois.
Oui, mais toi, t'es encore plus en dessous, alors tu me parles mieux. Merde. Oui, mais nous sommes deux. Tu devrais dire ça et télé, Victor qui arrive. On est juste arrivé, on a juste dit bonjour aux gens. Oui, calme. Attends. Laisse pisser. Laissez pisser. C'est Théo. C'est Théo qui est venu et qui a foiré son tas de social, donc les mecs. Laissez pisser, les mecs. Laissez pisser. C'est un garde, il se prend pour Manuel Valls. Laissez pisser. Non, mais voilà. Vous feriez mieux de pas menacer des chevaliers sur leur cheval de guerre un peu. Ouais, avec une rivière, vas-y. Je fais demi-tour au cheval et je... Vous n'êtes pas connu pour... Vous n'êtes pas connu pour le respect des règles. Je fais demi-tour et je lui pète à la gueule. Ouais, on l'ignore et on discute entre nous. On l'ignore juste. C'est bien ? En plein milieu d'une phrase. J'ignore au milieu d'une phrase. Après lui avoir fait un chute d'une manière complètement méprisante. Est-ce que je peux descendre à cheval pour tenter d'aller lui parler au garde ? Ou est-ce que ça passe pas ? Il se passe autre chose peut-être. Disons que ce qu'il a fait, vient avec nous. Tu est-ce es sûr et certain que si tu vas voir le garde, avec l'action de Bob, il est verrouillé sur la défensive, il n'a qu'une envie, c'est de taper quelqu'un. Très bien. Tu peux y aller, hein. Non, mais t'as risqué péril, tu peux me faire un test social à moins 2000 si tu veux. À moins 2015. Non, tu peux. Non, mais laisse tomber, après tout, il en vaut pas la peine. Tant qu'il nous suit pas, c'est pas important. Alors, qu'est-ce que vous faites ? Bah, on va aller voir Victor, vous me dites qu'il y a Victor... Il est pas tout seul, au fait, il est avec la prêtresse de l'église des Murmures. Ah, oh, c'est qui ? Ah oui, toi, tu connais pas. Bah, Théo, du coup, tu peux y aller. Je sais pas qui c'est. Tu peux y aller. Ma cousine Martine m'en a vaguement parlé, mais... Allez, par là. Non, moi je remonte sur un cheval pour traverser si on traverse. Remonte sur le mien. Ils sont ensemble. Monte sur le mien, mais sans déconner, je propose d'envoyer Théo en fait, seul. Oui, c'est vrai, ça peut être bien. Et parce il nous fait un signe pour qu'on vienne ou pas. Parce que Shin, avec Victor, ils sont deux représentants de l'église de la lumière contre une péon de l'église des murmures. La différence, c'est que sur les deux représentants, c'est-à-dire les deux personnes qui vont parler à la péon de l'église des murmures, il y en a un qui a chié sur son église et un qui était pas là. Donc il y a 50-50 de chances de diplomatie. Alors que si on y va. Comme ça, je suis désolé. Non, mais alors que si on y va à les 3. Les aventures de Victor. Alors que si on y va à 3, tu vois, à 3 machins, il y en a 3 qui ont chié sur son église et un qui a tenu, plus Victor qui est un PNJ, je sais pas si elle l'a oublié avec de la chance. Mais bref, voilà. C'est vrai que toi, t'as mis le feu. Toi cache-toi. Ouais, par contre, seul à vraiment avoir fait quelque chose de répréhensible. Victor, il a utilisé son cheval, il a chié devant l'église. Je suis désolé, mais il y a geste. Et puis fais quelque chose de référentiel. On peut parler, hein, Monsieur Grunleck, Monsieur Jarm, une charrette pour la faire exploser en défonçant les portes. Mais ce n'est pas arrivé. Gardez ça pour le commissariat. Voilà. C'est pas parce que t'as foiré ta bombe. Allez. Tu entends une voix que tu reconnais. Et qui est celle de Sœur Maeda, et qui dit « Ah, le brave inquisiteur que voilà, dont j'ai entendu tant parler, et bien, j'espère. » C'est vrai ? Non. Crie-lui dans l'oreille pour la faire chier. « Bonjour !» Non, le bruit, c'est ce qui l'a fait jouir, tu te souviens ? Non, Victor, c'est pas... Je suis Théo Silverberg et ça c'est Lumière, mon brave compagnon gastro-entérite. Victor qui va reconnaître le cheval. Il ne dit rien, il est bloqué par une sorte de mutisme, tu n'arrives pas trop à comprendre. Et il y a ici quelqu'un d'autre que tu reconnais, qui est Arcana. D'accord. Elle aussi, elle est en position... Il y a quelque chose qui va pas, il y a une tension palpable dans le camp, toute la tension est portée sur toi, et presque accusateur. Je peux dire un truc en off, du coup, comme un point strat, mais pas vraiment un point strat parce que c'est pas long. Oui, vas-y. Je sens venir le truc où ils leur ont coupé la parole avec un espèce de sort de silence ou un truc comme ça, donc ça veut dire que... Je peux le bypass, ça, mais je suis pas là. Ouais, mais dans ce cas-là, faudrait être prêt au combat au cas où. Très bien. Donc, il y a Sœur Maeda qui te bloque la route. Alors, comment est-ce que vous allez tenter de briller cette fois ? Dites-moi. D'être revenu du pire, vous êtes revenu presque des enfers. Dites-moi, inquisiteur, impressionnez-moi. Et pourquoi est-ce que je devrais vous impressionner déjà pour commencer ? Je ne sais même pas qui vous êtes. Ouh ! Applique de l'eau sur la partie brûlée ! Aïe, 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 aïe. Bien joué. Je suis Sœur Maeda,
prêtresse de l'église des murmures. Je suis humblement au service du destin du monde. Très bien. Alors que vous, vous le subissez. Ça se répète un peu. Hein. Mmh. Alors que moi quoi ? Alors que vous le subissez. Vous savez, par exemple, je pourrais invoquer un éclair, vous griller sur place. Quelque part, je serais en train d'agir sur le destin. Je trouve qu'il y a une espèce de mépris vis-à-vis de l'Église de la Lumière que je trouve assez détestable. L'Église de la Lumière a bien trop fait, c'est à cause de l'Église de la Lumière qu'on en est là. Et c'est à cause de l'Église de la Lumière si la Guilde des Intendants détient ce pouvoir. Mais c'est aussi grâce à l'Église de la Lumière qu'elle bientôt ne l'aura plus. Moi, je pense que vous auriez dû rester mort. Je pense que vous pouvez bientôt m'y rejoindre aussi. Ça me presque aussi, on va voir si vous allez revenir. Putain. Mais peut-être que vous sort là ton Las Palais là, je sais pas quoi. Il y aura pas de phare, il y aura pas de phare. Ouais, t'as raison, je vais utiliser Damoclès sur elle, tiens. OK. Fais-moi un test s'il te plaît de mental vu que t'es un peu en position de stress, donc fais-moi un test. Vas-y. Si jamais c'est un échec critique, tu fais une voix à l'hélium. S'il vous plaît, oui. Mais la réussite, tu fais Dark Vador. Mental. Mental. Plus concentration, passe. Attends. Avec un malus de 10%. Ça passe de 1. Waouh. C'est propre. Tu réussis in extremis. Tu fais 54. Elle a. Alors, je lui mets le désavantage. Oui, est-ce que tu peux claquer ton avantage pour ça aussi ? Histoire oui, que ce soit vrai, plus important pu. Que t'aurais un point de... J'ai oublié. Il y a donc une aura maléfique qui se dégage de toi, qui la braque, tes yeux deviennent légèrement luminescents, et cette énergie la nimbe d'une énergie maléfique. Ne me parlez pas comme ça, je suis un paladin, je suis un être pur. C'est bien, s'ils avaient des doutes sur toi, tout ça, là, t'es en train de leur prouver qu'en effet, ils peuvent totalement te faire confiance. Je suis gentil. Victor à côté, ça, c'est mon cousin, ça. Les ça, autres personnages sont là, se retournent. Victor baisse la tête, secoue la tête de droite à gauche. Le facepalm à deux jours de la retraite. Et... Hop, et il y a ce personnage qui recule. Et non, on est derrière un mode public de Street Fighter. Comme ça. Hey, hey. Le personnage qui est ici saute la rivière. Tu es très impressionné, Grand Lake. On sort des petits panneaux. T'es 9, je passe jet pour savoir s'il réussit à sauter la rivière. Non, ça fait des semaines qu'il est là, il a eu le temps de s'entraîner. C'est un PNJ. Il s'entraîne à ça, on va sauter la rivière, les gars. Et il a la main sur le pommeau de son épée. Et Shin, toi tu es habitué au combat. Tu Allez, sens qu'il va dégainer. Incident diplomatique, ça sera le titre de l'épisode. Tu sens qu'il va dégainer son épée alors qu'il s'approche de toi. Je tire la gemme sur lui, direct. Il cache la gemme. Sœur Maïda, de son côté, elle fronce les sourcils. Tu sens qu'elle bande sa volonté pour activer un pouvoir. Est-ce que tu veux... J'active le Damoclès sur elle, alors. D'accord. Quoi, tu l'as pas déjà fait ? Big Bang Damoclès. Mais tu l'appelles Damoclès. La nouvelle attaque. Non, mais Damoclès, c'est un truc à retardement, en fait. Explique ce que ça fait. Pas Damoclès, au niveau cosmétique, au niveau technique. Ah là, Jojo, t'as la voix off qui explique le pouvoir, t'es... Damoclès, en réalité, ce qui s'est passé, c'est que... T'es où des Silverback, ou... Damoclès, c'est un pouvoir à retardement, c'est quelque chose que je pose, c'est que je pose sur quelqu'un comme une espèce de bombe et que j'active quand je veux après, en fait. Et ça active un désavantage. C'est trop cool. Mais une sorte de... Faut l'activer de dos, tu te retournes et... Donc, quand elle bande sa volonté pour activer son pouvoir, ce qui se produit, c'est qu'elle puise davantage que ce qu'elle avait prévu dans sa psyché, ce qui semble relativement l'agacer. Et tu vois qu'il y a un mouvement dans l'herbe, un peu lié à sa propre énergie qui se dégage. Et à ce moment-là, une sorte d'onde qui te traverse et qui traverse ton destrier. Ce qui se produit, c'est que tu n'entends rien. Par contre, ton
destrier ce cabre immédiatement. Tu vas me faire un test de physique à moins 20 pour te tenir dessus, s'il te plaît, Théo. Là, là, il y a des seins. C'est clair. 76. Est-ce que attends, t'as pas équestrerie ou un truc comme ça Équitation, pardon. Séquestrerie, là. Équestrerie, pardon. Je n'ai pas équitation et j'ai fait 67 et je tombe. Tu n'as pas chevalierisation. Ton destrier se cabre. Tu tombes au sol lourdement. Je te mets un désavantage parce que tu es tombes lourdement. Tu es sonné. Est-ce que je peux utiliser l'avantage pour contrer ton désavantage, l'avantage que je n'ai pas utilisé tout à l'heure? Ça me va. Donc tu perds ton avantage. Mais tu tombes quand même sur les fesses. Donc tu tombes au sol. Ton destrier commence à se casser. Et Sormada, tu regardes, tu fais alors vous voulez jouer à ça? Très bien. Et les autres autour, les érudits et certains hommes de science sont complètement horrifiés par la situation, alors que de ton côté, Shin, tu vois qu'il y a le garde qui avait chauffé Théo, qui voit entre les arbres, entre les branchages, ce qui vient de se produire avec le destrier qui se casse, Sœur Maeda qui parle plus haut que d'habitude, et lui qui, en regardant ça, il sourit un petit sourire crispé et il s'apprête à dégainer.